Allez, suivons pour exemple 5. In the example, the nth term is given by. The nth term is given by tn is equal to 7 minus 2n. C'est 7 fois serré de n. This is nth term, which is denoting for an AP. And then you find the first term. Ça, c'est très très direct. Get bien. Alors, c'est quoi nth term for the. What is formula for nth term for an AP? A plus n minus 1d. Cette fois-ci dedans, l'infini fait nth term là où vous êtes. This is the nth term. 7 retiré, c'est 7 retiré de n. Et puis, nous comme ça, find the first term. Allez, what is nth term vous êtes? This is the nth term. Good. Allez, the first term is in notre part. First term, c'est quoi? T1. Second term, c'est quoi? T2. Third term, c'est quoi? T3. First term, c'est quoi? T1. Alors, for the first term, A, voilà. The two là, more que the first term, c'est quoi? The first term qui s'appelle A est représenté par T1. Now, what is it going to be for T1? If Tn is equal to 7 minus 2n, T1 ça va être quoi? Ça va être 7 retiré 2 fois. Ça va être 7 retiré 2 fois 1, c'est 7 retiré 2. Cela vous donne 5. Vous êtes tout là pour par rapport à ça, Jérémy, c'est ok. Très très direct. C'est seulement fin de deuxième terme. On fait T2. On remplace N par 2. Fin de son deuxième terme. On remplace N par N. Désolé, on remplace N par 100. Allez, now for you to have a common difference. Allez, dis-moi, comment vous pouvez faire un common difference? Common difference sous le temps, c'est quoi? C'est un arpège qui retire un avant. Par exemple, au café, troisième retire deuxième. Au café, quatrième retire troisième. Maintenant, ici, moi déjà l'art premier. Qui m'a fait? Marot deuxième. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Marot deuxième. Là, on va faire deuxième retire premier pour gagner un common difference là. Vous êtes tous d'accord avec logique là, pas aussi? Oui, l'erreur c'est ok là. Vous êtes tous bien comprendre. L'erreur c'est ok. Alors, ce qui me dégaine à faire, I'm going to find the second term. Allez, if Tn c'est 7 retiré 2, hein. Second term qui peut être égal, c'est 7 retiré 2 fois, ça va être 7 retiré 2 fois 2, qui vous donne 7 retiré 4, qui vous donne 5. Ça, c'est pour the second term. C'est tout d'accord là, oui? Now, for the common difference. Désolé, 7 retiré 4, cela vous donne 3. Désolé. Ça, c'est pour le deuxième terme. Now, what is it going to be for the second difference? The common difference, désolé. The common difference, tout d'abord, plus c'est D. Tout autant que nous sommes capables de faire common difference, de faire un après, retiens un avant. Alors, si on va faire mon deuxième terme, retiens mon premier terme. Ah, c'est mon deuxième terme. Mon premier terme, je retiens mon deuxième terme. Alors, pour faire common difference, ça, pour faire deuxième terme, retiens premier terme. Alors, ce deuxième terme, c'est combien? C'est 3. Premier terme, c'est combien? C'était 5. Alors, 3 retiré 5, cela vous donne négatif 2. Et par contre, maintenant, pour le 10th term, ça c'est trop direct. 10th term, c'est quoi? 10th term, c'est D10. Si nth term, c'est 7 retiré de n. 10th term, c'est D10, ça veut dire n remplacé par 10. Ça va être 7 retiré 2 fois 10. Ça vous donne 7 retiré 20, qui vous donne négatif 13. C'est OK pour cette partie-là? Allez, très bien. Allez, pense dans, feuille. For example 6, le tout suivi bien, il y a suffisamment de temps pour le faire, c'est trop beaucoup de temps, premièrement. And there's a fine last positive term and first negative term of the AP. De tout d'accord avec moi, it's a decreasing sequence. Alors, il est diminué. Pour vous arriver à un moment code. Voilà, ça, c'est votre 318. Ça, c'est le 306. Pour arriver au bon côté, vous visez N à N lost. Positive term. Vous visez N lost positive term over here. Et ensuite, après ça, vous pouvez un mot. First. Après ça, vous pouvez un mot first. Negative term. Et après ça, vous allez continuer, même négatif. So the goal is to find these two. This is the goal over here. Let us find the last positive term and the first negative term. Abdul Mangali?
Non? Allez, on va le représenter. Let's have a look at this part. Première chose, vous avez, je m'explique certaines affaires. Allez, laissez-moi. Emilia. Fais-moi dire, il y a le numéro 100 là. C'est le numéro 100 là, mais les mentors qui te disent ça. What will you do? Nous apprenons qu'il y a égal avec 100. C'est un bon rappel. Nous apprenons qu'il y a un petit peu égal avec 100 là. If you would want to know what is the number 100 in this sequence, qui te permet. C'est tout d'accord avec moi là, hein? Oui, je regarde, c'est ok. Mais c'est la même chose qu'ils ont parlé. Elle prend yen, elle met qui plus grand que 0. Prend yen, met qui plus grand que 0, vous savez, c'est tout. Plus grand que 0, qui veut dire. Ou soit prend yen, met qui moins que, désolé, pas plus grand que 0. Oui, ou soit quand même met qui plus grand que 0. Plus grand que 0, soit moins que 0, elle n'est pas faire une différence. Si vous avez autre, comme ça, dans le numéro 100 là. Vous avez autre qui t'aime ça, dans le numéro 100. Tu peux prendre yen, mais tu peux aller avec 100, mais tu peux dire que c'est pas n égale à 27. Ça veut dire 27, ça veut dire que c'est comme 100. Mais pas vraiment ici, si je prends yen, je vais mettre moins que 0, ou soit plus grand que 0. Alors, O, mais tu peux finir qu'on est, à peu près qui t'aime, qu'est-ce qu'il, et commencer ça, lance positive term là, ou soit ça fasse négative term là. Et ça sera le cas. Premièrement, le premier terme c'est combien? Mon premier terme A c'est 318. Allez, mon common difference, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon deuxième terme qui est 306, on retient mon premier terme qui est 318. Cela me donne D est égal à combien? D est égal à négatif. Cela me donne D égal à négatif 12. Good for this part. Allez. Now, what is formula for nth term? Formula for nth term c'est A plus N minus 1. A plus N minus 1 D. Alors A, c'est 318 plus N minus 1 et par contre D, il va tomber négatif 12. We go for expansion, cela vous donne 318. Alors négatif 12 fois N, négatif 12 N. Négatif 12 fois négatif 1, c'est positif 12. Alors cela vous donne 300. 330 retiré 12 N. This is your nth term for this sequence. Good for this one. Is it good? Now for the term tn to be positive, let us have a look at it. For the term tn, for the term tn to be positive, the two are avec moi. Tien, mise à ton. Tien, mise à ton plus grand que 0. Suivez la bonne erreur. Tien, mise à ton plus grand que 0. Oui, vous n'êtes pas positif. Enter, mise à ton plus grand que 0. Qu'est-ce que bien? Comme je disais, tous les points sont une sorte de mathématique. C'est une question qui nous peut poser ça. Quand même, pour un tien, il est plus grand que 0. Qui va les mener? On va pas les mener comme ça. Qui va le N? Qui fait ça, qui fait mon terme, donc plus grand que 0. Plus grand que 0, ça veut dire positif. Allez, laisse-moi sortir, je vous explique. Alors, si je prends 330, on va tirer 12n, plus grand que 0. Alors, cela vous donne combien? Cela vous donne n, dans le sol. Cela vous donne n, allez, le sol, les deux fois plus. Négatif 12n, plus grand que. Alors, plus 330, vous pouvez le moins. 330. Ensuite, alors, cela vous donne n. Négatif 330, demande le valeur. Moins 12, mais pas là-bas. Ici, il y avait une division. Et rappelez bien, ça c'est une inégalité. Donc, on a deux autres faire. Tout le temps, on se divise une inégalité par négatif. What is going to happen to the sign? The sign is going to reverse. Good for this part. Alors, cela vous donne combien, s'il vous plaît? 27.5. Alors cela vous donne 27.5. Allez, top. Qui veut dire ça? 27.5 là. Donc ça comprend probablement qui veut dire ça. Mais allez, maintenant une question. Tous les poissons de Bessol, c'est carrément une question que je vous ai compris de Bessol. Comme le sol tient plus grand que 0, vous regardez mon dit. Mais à quoi tient qui tient? À quoi tient qui tient qui te tombe positif? Regardez. Si je me mets sa question là, qui était là en mathématiques. Même ça fait si je me pose sa question en créole, après, c'est qui t'aime et ce qui te tombe positif. Et là, moi, les amours là.
Donc on va terminer en bas 27.5, tout positif. C'est vrai? Premier terme positif, deuxième terme positif, troisième positif, jusqu'à combien positif? Jusqu'à 27.5 terme. Maintenant, 27.5 terme, ça n'existe pas. Mais qui va mettre 27 sur 28? On va mettre 28, évidemment, moins que 27.5. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 27e terme, they are all positive terms. Vous pouvez essayer de déclarer, c'est OK là. Vous pouvez comprendre logique là, ici, Olivia. Alors, so what does this imply? Ça veut dire, it implies que the first term, second term, non les mêmes, jusqu'à T27, they are positive terms. Vous êtes tout d'accord avec moi là? Oui? Mais si jusqu'à T27, they are positive terms. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 27e terme is? Ça veut dire que 27e terme is the last. Ça veut dire que 27e terme est donc last positive term, vous êtes. Vous avez bien saisi les bords ici? Oui? Mais si 27e terme est donc last positive term, moi je viens de trouver ici là. Je vais diminuer, 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 diminuer. Mais si 27e terme est donc dernier positif, mais si c'est après 27e terme qui termine là, 28e terme, ça veut dire que 28e terme libéton quoi? 28e terme is the first. Ça veut dire que 28e terme is the first negative term. Ce peut saisir logique là aussi, je tiens c'est ok là. Mais à ce qui est bien question, on est pas vraiment abonné qui termine. Et bien, évidemment, arbre d'équivalent n, évidemment, comme ça, arbre de terme la même. Donc, vous voyez que 27e terme is the last positive term. Alors, c'est toujours pour le fait T27. What is Tn? Tn, c'était 330 retiré 12 n. Mais T27, qui vous venez? Il vous venez 330 retiré 12 fois. 12 fois 27 qui vous donne 6. Et par contre, vous pouvez le fait T28. T28, c'est combien? T28, Tn c'était 330 retiré 12n. Et c'est qui les combiné? 330 retiré 12 fois. Maintenant pour 28, alors cela vous donne négatif 6. Effectivement, vous trouvez 27e terme, les mêmes derniers termes qui peuvent être positifs, parce que 28e terme qui peut être n terme après 27e terme, il peut être négatif. So it is confirmed that this is the last and this is the first positive, this is the first negative term. So tu comprends la logique là pas aussi? Oui. Alors, la réponse est 6 et négatif, négatif 6. Good for this one? Allez, très bien. No need to... Allez, c'est bon pour cette partie-là. Allez, pense en plus, have a look at it. In the 6th term of a finite AP, c'est combien? C'est négatif 38. Alors, première chose qui nous pourrait c'est quoi là? Ça veut dire que 6e terme, il est bon négatif, il est bon négatif 38. Maintenant, je vais apprendre. What is formula for nth term? C'est pas la semaine dernière. Formula de nth term, c'est a plus n minus 1d. Ça veut dire en d'autres mots. I hope you remember. What is formula for nth term? C'est a plus n minus 1. A plus n minus 1d. Now, for the sixth term. Sixième terme qui peut tomber. Alors, pour sixième terme, il faut voir. A plus 6 minus 1d qui va être négatif 38. Vous êtes tout d'accord par rapport à ça là? Oui? Allez, très bien. Ça veut dire que les bines a plus 5d va être négatif 38. On fait ça comme première équation. Tout le temps, vous êtes quand même déjà fait les autres. 6e terme, il faut ça. 7e terme, il faut ça. Pas oublier, rappel, formule c'est a plus n minus 1d. Si 6e terme va être moins 38, alors je connais qu'il y a un prend place n plus 6. Les bines A plus 6 retiré 1D égale à moins 38. Cela vous donne A plus 5D égale à moins 38. Good for this one. Allez, très bien. Maintenant, les diamants comme ça, deuxième terme dépasse 5e terme par 18. Allez, si deuxième terme dépasse 5e terme par 18, vous dire quoi ça? Si vous dire comme ça, alors nous disons les grands visuels. Les diamants prennent moins de large. On retire les autres large égale à 10. Vous allez pas avec moi, il y a moins de différence là. Pareillement, si deuxième terme dépasse 5e terme par 18,
Alors, ça veut dire que cinquième terme, quand il vous retire deuxième terme, vous avez un total de 18. Vous pouvez saisir logique-là, pas aussi là. Oui, ça veut dire qu'on prend T5, on retire T2, vous avez 18. Allez, rapidement, T5, ça va être quoi ça? Si vous faites cinquième terme, A plus N minus 1, D. Monsieur, oui. C'est T2 retiré T5. Oh, désolé. Évidemment, deuxième terme dépasse cinquième terme. Très bien. Deuxième terme qui est plus grand là. Ça veut dire qu'on prend deuxième terme, vous pouvez retirer cinquième terme, vous pouvez gagner une différence de 18. Très bien. C'est deuxième qui peut dépasser cinquième fois 18. Ça veut dire T2 retiré T5 de moins 18. Allez, T2, qu'est-ce que tu peux faire? Vous avez une formule A plus N minus 1D. Limite A plus 2 retiré 1D. Pareillement, cinquième terme c'est quoi? C'est A plus 5 retiré 1. C'est A plus 5 retiré 1D. Ça c'est pour cinquième terme est égal à combien? Est égal à 18. Good for this one. Allez, rapidement cela vous donne quoi? Ici, cela vous donne A plus 1D qui est A plus D. Retirez votre point. Ici c'est A plus. C'est A plus 4, des autres trouvés, braquer, tout ça, c'est très important, ça. Et puis retirer ça en entier. A, vous retirez A, il vous cancel, et D, retirez 4D, cela vous donne négatif 3D. Alors, c'est négatif 3D, puis vous 18, vous dire que D, il vaut combien? Moins 3, puis faire là-bas, là-bas, les mêmes divisions. 18 sur moins 3, cela vous donne négatif 6. Donc, venez gagner vos commandes différentes. D, c'est important, parce que c'est pas l'ingrédient, ça. A, D. C'est pas le main ingredient, comme on a A, on a D, on n'a pas fait de tout. Si mon récit gagne D maintenant comme négatif 6, mon récit gagne A aussi là. Alors, from A plus 5D, c'était combien? A plus 5D, les voici peut tomber moins négatif 38 dans la première équation. A plus 5D, tu peux tomber négatif 38 dans la première équation. Alors, on remplace D par négatif 6. Voilà. So, it implies. Nous remplace D par négatif 6. Est égal à négatif 38. Alors rapidement, cela vous donne combien? A, on retire 30, est égal à moins 38. Maintenant, on retire 30 qui vous venez là-bas. On retire 30 pour venir positif 30. Alors cela vous donne négatif. Cela vous donne A est égal à négatif 8. Good for this one. Alors, vous avez un récit qui est D et un récit qui est A. Maintenant, il vous avez alors ce terme, il vaut moins 302. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, on va connaître combien de termes il y a. Pareillement, nous avons fait une question comme ça avec moi la semaine dernière. C'est évidemment alors, c'est un peu moins 302. Mais les gars, vous prenez le tien, vous regardez avec moins 302. Et vous finissez à moi combien de termes il y a. Vous êtes tout là pour là. Oui. Allez, let us have a look at this. Alors, la première chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas travailler le tien. Allez, tien, c'est quoi? C'est A plus N minus 1D. Allez, rapidement. On remplace A par négatif 8. Ça, c'est N minus 1. Et par contre, D, c'est négatif 6. Alors, cela vous donne négatif 8, négatif 6 fois N, négatif 6N, moins 6 fois moins 1, c'est positif 6. Alors, moins 8 plus 6, cela vous donne négatif 2. Alors, so this is N term for the sequence. Moins 2, moins 2. Moins 2, moins 6N. Alors voilà, maintenant qu'il y a un premier n, vous êtes égalé avec négatif 302. Alors cela veut dire que moins 2 moins 6n fait vos négatif 302. Cela vous donne moins 6n est égal à moins 300. Et cela vous donne n est égal à 50. Si moins 302 peut tomber 50e terme. Et les mêmes qui gagnent les termes. Ça veut dire en deux, il paraît. Moi, c'est mieux les autres. Moi, les 8 derniers élèves dans la classe, moi, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 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 jusqu'à les derniers élèves dans la classe, moi, le compter dans 40 élèves. Ça veut dire les derniers élèves, il fait 40e élèves. Combien d'élèves il y a dans tout? 40 élèves. Si le dernier terme, il peut tomber 50e terme. Combien de termes il y a? 50 termes. Vous êtes tous d'accord avec moi? Alors, therefore, alors c'était quoi là? Therefore, the AP has. Therefore, the AP has 50 terms. Alors, si mon répondant ne pas tout là-dedans, là. Alors, si tout bas l'information, il vous a aidé pour que s'il sorte quelque chose. Donc, AP, comme une formule, c'est A plus N minus 1D. Donc, on a A, on a D, et on a dit, on a tout l'équipement pour pouvoir faire des petites questions.
I was finding A and B to a dog, but this is the main purpose. But actually, yes, it is the main purpose. Okay, good, because it's going to help you to lead to the answer. Notamment si j'aime bien vos moins 38, si je ne pas vraiment rappeler, niveau N, c'est au niveau A plus N minus 1. Et je te rappelle, maintenant je vais equally, je vais vous end up with this situation. So, first step, notamment si j'aime bien, c'est ça. Pour prendre une formule de N term, on remplace N par 6. Regardez toujours avec mon moins 38, on garde ça comme première équation. Notamment deuxième terme plus grand que 50e terme par 18, ça veut dire qu'on prend deuxième terme qui est T2. Donc, deuxième mot, cinquième terme qui est T5, et nous allons voir la différence 18. Toujours, c'est une formule A plus N minus 1D, alors que N peut donc 2 par ici, ici N peut donc 5, et nous allons toujours voir la différence de 18. Nous simplifions ça, nous avons A plus D, nous simplifions ça, nous avons A plus D. Pas oublier, bah, on les retire tout ça là, ce qui permet d'en bracket, on va préciser jamais qu'il y a la réponse D à la moins 6. Quand on décide qu'il y a un D à la moins 6, nous avons l'équation qui est dans A avec D, maintenant nous avons D à la moins 6. Nous allons prendre la salle, nous ne pouvons pas faire valeur de A, qui est bien négatif. La next step, évidemment, le host term, c'est moins 302. Bon, on va prendre le nth term, on peut regarder avec moins 302. Vous connaissez ça, moins 302, là, qui term, ça. Mais comment on prend le nth term, on regarde avec moins 302, you build your nth term. Nth term, toujours, ça, c'est ce formule, on remplace 1 par moins 8, on remplace 2 par négatif 6, you end up with nth term, négatif 2, négatif 6, n. Then you take your nth term, you equal to négatif 302. Donc, c'est seulement moins 302 qui dit ça. Maintenant, c'est moins 302 les mêmes qui dit qu'il terme. Et la réponse, précisément, comme ça, peut 50, il peut tomber. Moins 302 peut tomber 50e terme. Ça veut dire, il make sense que 50e terme là, les mêmes qui moins 302. Ça veut dire, si moins 302 peut tomber 50e terme, et moins 302 les mêmes qui dit terme, ça veut dire, et puis là, il y en a un total de 50. Good for this one, là. Hein? Allez, très bien.